Je vais passer la parole à Philippe Moucaud parce que Olivier tout à l'heure a parlé d'intégration d'années blanches en fait ou à perte qui jouait un peu dans son calcul de prix. Et du coup, j'imagine que étant conseiller d'agriculteur en conversion et post-conversion, toutes ces questions de juste prix pour le producteur, c'est toujours en fil rouge quand on conseille un agriculteur. Effectivement, donc Philippe Moucaud, conseiller à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Effectivement, quand on va conseiller un agriculteur, donc que ce soit pour une conversion ou même parfois des agriculteurs qui ont bio, qui ont plus d'expérience, on aborde la thématique du risque. Donc Monsieur Breuil a évoqué des échecs 2 années sur 10. Hein, donc, une année sur 5, des fois c'est une année sur 3 même, hein, ça dépend des situations et des contextes régionaux. Donc pour ceux qui ont des références en conventionnel, vous savez que globalement en conventionnel c'est essentiellement le risque climatique, mais en bio on va être exposé à plusieurs risques en fait, qui découlent du cahier des charges. Donc on a bien sûr en plus le risque sanitaire puisqu'on n'a plus les solutions parachute avec les produits phytosanitaires, c'est le cas également en production animale hein, où le nombre de traitements est donc pareil est largement contrôlé. Et ensuite, il ne vous a pas échappé qu'en bio, on travaillait beaucoup plus. Donc, généralement, les exploitations ont recours à de la main-d'œuvre. Donc, derrière cette notion-là, il y a aussi un risque social. Hein. Alors, il est vrai qu'en contrepartie, on va peut-être avoir un peu moins de risques sur les aspects de prix, parce qu'on l'a évoqué ce matin lors de la présentation, les prix varient beaucoup moins en bio. Donc le risque de prix que l'on a en conventionnel, on ne va pas le retrouver forcément en bio, où on est sur des marchés plus locaux avec des variations un peu plus faibles, on va dire. Voilà. Mais d'un autre côté, en conventionnel, on a des outils de gestion du risque de prix qu'on n'a pas en bio. Et puis le dernier point qu'on va évoquer avec les agriculteurs lors de nos entretiens hein, sur la formation du prix et puis l'intégration de ce risque dans le prix, ce sont aussi les risques de trésorerie. Produire bio, ça coûte assez cher et notamment pour des agriculteurs qui ont recours à des intrants extérieurs, on va parler là surtout des céréaliers qui font appel à de la fertilisation extérieure, on a des coûts d'intrants qui vont monter très très rapidement. Et donc, quand on dépense 1 000 euros pour produire une culture, il faut la réussir, la culture, hein, parce que 1 000 euros à l'hectare, ça fait beaucoup d'argent. Et derrière, donc, il y a une nécessité de réaliser un chiffre d'affaires qui est impératif. Voilà. Donc, effectivement, dans la construction de nos réflexions avec les agriculteurs, on évoque tous ces aspects de risque. Et puis, on essaye d'actionner les leviers qui vont permettre de parer un peu ces situations qui peuvent être compliquées. Peut-être que Monsieur Farino peut nous en dire aussi quelques mots du juste prix. Juste prix. Oui, c'était une émission, absolument. Non, sérieusement, le juste prix, oui. Donc très clairement, effectivement, il faut qu'on prenne en compte le coût de production de l'agriculteur dans le calcul de notre prix. Voilà. C'est pour ça que moi, je travaille effectivement, alors peut-être bientôt avec la Chambre d'agriculture du Sud-Ouest, mais je suis déjà en relation avec l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur lesquels on travaille sur certaines cultures, où on prend en compte ce coût de production. Et où, ce que je disais tout à l'heure, on va écrire un modèle économique et s'assurer effectivement que ce modèle économique il soit viable et que derrière on puisse avoir un prix facial à la vente au client qui soit acceptable par le plus grand nombre pour que ce produit soit distribué en grosse quantité, en volume et que l'agriculteur finalement aide la production, quoi. Parce que si on peut avoir des coûts de production qui sont ce qu'ils sont, on peut les respecter, mais si à la fin ça nous sort un produit qui est invendable, le résultat c'est zéro, quoi. Donc voilà, il faut vraiment qu'on s'assure de tout ça avant de développer des choses et avant de mettre en culture des choses. Je vais juste prendre un exemple. Je travaille sur les pâtes alimentaires en ce moment
Et pour fabriquer les pâtes alimentaires Origine France à la marque Carrefour Bio, il me faut 3500 tonnes de blé dur. C'est la production quasiment française. Voilà. Donc vous imaginez un peu le problème. Parce que moi j'en veux, mais il n'y a pas que moi. Donc effectivement, on s'entend sur un coût de production. Là, on est plutôt parti sur des 600-700 euros la tonne. Mais ça nous fait sortir le paquet de pâtes à plus de 3 euros. Donc, est-ce qu'on reste sur des paquets de pâtes réservés à une élite ou est-ce qu'on distribue des pâtes à l'ensemble de la population française ? Carrefour ou les autres entreprises de la distribution ont aussi un rôle sociétal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou si aujourd'hui on n'est plus dans ce besoin primaire, c'est bien parce qu'à un moment donné, quand vous voulez manger, vous prenez votre voiture, vous allez faire des courses, vous rentrez, vous mangez. Quoi. Vous allez... C'est 3 euros ? C'est 500 grammes ? Ah oui. Bah oui, sinon c'était pas mal, ouais. Non, c'est... Bon, voilà. Et au-delà de ça, il faut pouvoir mettre en culture ces volumes. Donc il faut pouvoir dire aux agriculteurs, on va contractualiser, on va s'engager sur des volumes, etc. On va le faire sur plusieurs années. On va tenir compte de ce coût de production. Mais il ne faut pas non plus déséquilibrer les marchés. Parce que si demain, tout le monde se met à faire du blé dur, on a aussi besoin de blé tendre. Donc, c'est voilà, toute la complexité là. Donc, il faut savoir dire, on a besoin de temps. On est prêt à mettre tel prix au niveau de la matière première, après avoir avec les opérateurs à combien ça sort. Et dans l'évolution, et ben, il faut qu'on se mette des plans de progrès, parce que les 3000 tonnes, nous, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les avoir la première année. Donc ben, ça prendra peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. Mais il faut qu'on fasse cette montée en puissance progressive. Et ça, c'est quand même un dossier qui me tient à cœur, parce que au-delà de ça, je me dis que si on n'arrive pas à sortir par le haut sur cette filière-là, eh ben, l'agriculture française, on n'aura pas de blé français pour faire des pâtes. Quoi. C'est quand même un produit de base alimentaire et ça serait dommage de laisser tout ça aux Roumains. Voilà. C'est sûr que ça nous amène sur la notion de filière, mais avant cette notion de filière, je voulais laisser la parole à Jean-Luc Joly sur la question des prix et finalement des investissements, parce que Philippe Moucault à côté de vous a parlé des investissements. Il n'a pas encore parlé de la fluctuation des aides bio, mais on en a parlé un petit peu ce matin. Et donc en quoi une banque comme la vôtre en fait peut aider les agriculteurs à passer parfois des caps difficiles liés aux investissements? Peut-être, si vous permettez, avant, peut-être un petit point d'attention sur un facteur de risque aussi, donc en bio, c'est peut-être le financement de la trésorerie. Hein, donc, tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'interventions possibles, hein, de financement, de préfinancement des aides à la conversion, de préfinancement des aides PAC. Excusez-moi. Et n'hésitez pas effectivement à solliciter votre banque effectivement sur cet aspect de BFR, parce que c'est un facteur de risque. Souvent, il a tendance à être sous-estimé. Et nous avons aujourd'hui les outils pour vous accompagner sur cet aspect. Hein, donc ça, c'est important. Mon voisin disait tout à l'heure que le porteur de projet donc porte des risques, des risques économiques, des risques sanitaires, des risques climatiques, des risques sociaux. Ceci effectivement quelles que soient donc les filières donc animales ou végétales, et je pense effectivement qu'il y a un vrai enjeu de sécuriser ces risques. Alors donc dans notre accompagnement, eh bien nous déployons plusieurs possibilités pour cela. Je vais en citer deux. Par exemple, la modulation des échéances de crédit. S'il y a donc un aléa climatique, eh bien, c'est la possibilité pour l'exploitant, pour l'emprunteur, eh bien, de faire varier son échéance à la baisse de 30 à 50% s'il y a donc un aléa. Donc ça lui permet de conforter, enfin de garder sa trésorerie. La conséquence de tout ça, c'est que ça augmente la durée du crédit. Par contre, s'il y a une bonne année, effectivement, l'effort de remboursement peut être donc plus important et vient effectivement remettre effectivement donc un profil de remboursement donc comme au départ donc dans le contrat.
Ces dispositifs sont assortis généralement d'une possibilité d'une pause crédit pendant un an, hein, s'il y a donc un aléa fort. Voilà effectivement un premier exemple. Deuxième exemple aussi, c'est pour la sécurisation, on parlait de sécurité des investissements, c'est donc actionner le levier assurantiel. Donc c'est très important, nous l'aidons, nous le poussons beaucoup. Nous considérons que c'est une épée de Damoclès, hein, au-dessus de la tête des exploitants, donc en l'absence d'assurance. Certes, pour vous, producteurs bio, elle est d'un tarif aussi plus élevé, hein, puisque donc on considère que malheureusement votre production a peut-être pour l'assureur effectivement un moins de résilience, et donc il y a des coûts de cotisation effectivement qui sont un peu plus élevés effectivement qu'en conventionnel. Mais ça nous paraît effectivement extrêmement important. Et vous savez, nous sommes aussi assureurs. C'est pas une démarche commerciale, hein, puisque donc vous le savez, ces contrats donc climatiques, hein, sont très déficitaires. Et malgré tout, effectivement, nous souhaitons faire évoluer le pourcentage, hein, d'exploitants donc assurés, hein, sur un plan climatique. Ça nous paraît effectivement un enjeu extrêmement fort pour la pérennité de vos activités, des exploitations et de nos filières. Merci. Philippe, peut-être rebondir sur ces questions de prise de risque, en lien peut-être avec ce que nous disait Monsieur Farino sur la prise de risque en blé dur, mais aussi l'intégration dans la rotation, parce que finalement en bio on est lié à des rotations, et c'est pas parce qu'à un moment on a besoin d'un produit sur le marché que c'est facile à faire, et c'est facile à faire durablement sur plusieurs années. Il faut vraiment intégrer tout ça dans la rotation bio, quoi. Alors effectivement, hein, on n'est pas trop, on va dire, dans une logique d'opportunité. Hein, quand on conseille des agriculteurs en bio, on va essayer de raisonner sur le long terme et d'échafauder des plans de culture sur généralement 5 ou 6 ans. Voilà. Donc après, comme le disait Monsieur Farino, on ne peut pas changer nos assolements du jour au lendemain. Et il faut respecter en fait les notions d'agronomie basique. Pour éviter d'aller vers des problèmes. Donc du coup, effectivement, dans notre logique de gestion des risques globaux, hein, on va essayer de diversifier nos assolements pour répondre à cette problématique. On va essayer de provisionner des risques aussi de notre côté. Donc tout ça, il faudra effectivement l'intégrer dans le coût de production. Et puis essayer systématiquement, donc là on est plus sur les aspects grandes cultures, hein, mais de mettre en place des cultures de légumineuses qui coûte un peu moins cher à produire. Alors effectivement, ça coûte pas trop cher à produire, mais ça rapporte pas énormément non plus. Voilà. Donc dans sa rotation, effectivement, on va aller rechercher au moins une fois ou deux des cultures à marge un peu plus importante qui vont permettre de faire une moyenne en fait correcte sur ces 5 ans. Alors sauf que si cette culture arrive sur une année difficile, eh bien, on a des moyennes qui se retrouvent tirées vers le bas, et ça, c'est réellement un problème. Quoi. Voilà. Donc, peut-être j'anticipe un tout petit peu, mais ça te fera gagner du temps. Voilà. Cette difficulté à produire bio, nous, on souhaite qu'elle soit bien identifiée dans le coût de production, hein, donc pour éviter les surprises. Mais Monsieur Farino l'a dit aussi, on souhaite travailler avec l'aval, parce que effectivement, pour faire un prix rémunérateur et un prix acceptable pour le consommateur, il faut que tout le monde s'entende bien et se mette d'accord, quoi. On prenait un exemple l'autre jour assez simple, hein, les agriculteurs ont du mal à comprendre pourquoi parfois ça coûte plus cher de moudre du grain bio que de moudre du grain conventionnel. Voilà. Donc, alors on sait qu'il y a des freintes, hein, un peu plus en bio, qu'il y a des problèmes dans les usines à prendre en compte de façon différente, parce qu'on n'a pas des moyens chimiques classiques, hein, pour la dératisation, enfin je vous en passe, hein, pour le stockage des marchandises. Mais de là à observer ce qu'on observe, on se pose des questions.
Voilà. Donc c'est peut-être un peu pareil pour les pâtes, hein, monsieur Farino, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça demande un peu à travailler un peu sur cette... sur cette conception du prix et d'éclaircir certains aspects. Quoi. Non, mais c'est bien pour ça que, par rapport au schéma qu'on avait tout à l'heure, où la facilité finalement, ça serait de faire un appel d'offres en disant, bah voilà, messieurs, je veux des pâtes origine France à tel prix, et puis débrouillez-vous. Mais la sécurité qu'il y a derrière, déjà, un, l'approvisionnement, on n'est pas sûr de l'avoir. Deux, la sécurité, est-ce que c'est vraiment du blé français ou pas ? Ça, c'est encore autre chose. Et là, on retombe dans les travers. Donc, les démarches que Carrefour a aujourd'hui, quand nous, on va vers le monde agricole, ce que je fais aujourd'hui avec les chambres d'agriculture, c'est bien justement pour avoir cette notion de coût de production et de pouvoir savoir ce qui se passe aussi entre les deux. Parce que On connaît les nôtres, on connaît celui de la production, mais il y a aussi tous les transformateurs. Alors là, on parle juste de pâtes, on a juste un moulin et puis un semoulier, on va dire. Quand on parle du cochon, alors là, c'est une vaste nébuleuse. On a les cinq quartiers, quand les jambons vont d'un côté, les longes d'un autre, les poitrines ailleurs, etc. etc. Le cochon, il a fait 4000 km, quoi. Donc là, la filière cochon, c'est aussi un véritable enjeu, quoi.